Bonjour YouTube. J'aime les sauvegardes de Satisfactory. Pourquoi? Vous aussi ou pas? Bah en fait ton perso à la base il devait être sur... Non sur... je suis alors, au niveau de la centrale à charbon. Hein? Ouais? Juste ouais. T'as déjà pop là? Non, normalement c'est là que j'étais. Ouais, oui, non mais c'est ça, normalement t'étais sur un tapis, sauf que vu que j'ai déplacé les tapis, tu vas popper en l'air. En fait ton perso est déjà en l'air. Ah. Il est sur le tapis que j'ai retiré. Ok. Ah du coup t'as changé ce que j'ai fait? J'ai rangé un peu. Ça reste au provisoire mais j'ai rangé un peu. Tu vas voir, c'est un peu plus clair comme circulation. Ah voilà. Parce que je vais devoir retourner à la maison pour aller chercher de quoi faire plus d'usines à charbon. Bah yes hein, parce que là 4 générateurs et puis j'ai dû mettre des limaces dedans parce qu'on commençait à être juste en énergie. Hein. C'est-à-dire que si jamais je fais tourner le broyeur à ticket là, on est dans la merde. Ah mais j'ai des limaces sur moi en fait, c'est pour ça. Ah bah tu vas pouvoir les injecter dedans. Hein. Bon, je te rassure, il y en a encore à la maison. Hein. Je bossais un peu pendant que t'étais pas là. Pareil, j'ai repéré le gisement de catharium qui est marqué sur la carte, j'ai fait un escalier pour y accéder. J'ai repéré de la géothermale, j'ai repéré du fer pur par deux, du cuivre pur, de façon à ce qu'on puisse connecter tout ça. Voilà, tu viens de tomber. Donc bonjour monsieur. Ouais. Bonsoir. Donc pour l'instant j'ai rien touché, mais n'oubliez pas qu'une pompe à eau suffit à alimenter les 4. Ouais. Donc ouais. Pareil, on peut économiser un peu de courant là-dessus, au passage. Moi je te conseille de les bourrer en limace, comme ça on aura déjà le max potentiel et on ne risquera pas de crash. Et que tout ça fonctionne bien entendu sur une seule mine. Qui peut, crois-moi bien, alimenter bien plus de générateurs, puisqu'à elle seule, normalement, elle peut en alimenter 8. Easy. Ouais. Et en MK1, sans amélioration, ni rien. Ouais, c'est ça, on est qu'en MK1. En MK2, c'est 16. En MK3, c'est 32. J'ai tout mis à puissance max. Ok. On a, si tu regardes sur un poteau électrique, on a un peu de marge maintenant en fait. Ouais, j'ai viré beaucoup de poteaux électriques et des fois je me perçois que c'est pas toujours une bonne idée. Parce qu'on ouais, on n'a pas accès aux panneaux en fait. Ouais, c'est un peu chiant, faut trouver un poteau. Il y en a en général qui traînent à gauche à droite, mais ouais, faut ressortir dehors. Mettre un poteau dans les coins, tu sais, genre. Attends, comment ça t'as fait? Ah, t'as fait un escalier jusqu'ici, d'accord. Ouais, même jusqu'à la base, tout ça, t'as des escaliers un peu partout. Et t'as encore du béton, voilà. Ah oui, ça va. J'ai plus une goutte de béton sur moi parce que j'avais besoin de toi aussi pour débloquer les recherches, monsieur. J'attends quand même qu'on soit en vidéo pour débloquer des recherches. Ah ouais, attends. Recherche... Ah, si, j'ai un truc vachement important pour toi. Vite, t'es où? Ouais, je suis descendu. Vite, j'ai l'objet sacré. Lequel? Tiens, il est juste là. Juste là. Oh, oh oui. Bon petit café, ma gueule. D'ailleurs, en parlant de bon petit café, santé YouTube. La tasse qui est remplie à l'infini et qui n'a aucune physique. Peu importe dans quel sens tu te mets. Mais si tu sautes et que tu bois en même temps, tu peux cogner ton casque et c'est très rigolo. Qu'ils aient pensé à ce détail nul. Et donc, si tu regardes dans tes icônes, j'ai marqué aussi des fers purs. Donc, entre autres, on en a un tout en bas des escaliers. Si jamais on veut le raccorder par ici. On a un catharium, j'ai posé deux petites micro-mines dessus sur le catharium qui est accessible par escalier, qui se trouve derrière le gros caillou en face de nous. J'ai récupéré un disque dur puisque je suis allé sur le gros caillou justement qu'on a en face de nous, récupérer ce qu'il y avait dedans puisqu'il fallait que 4 hauteurs. Donc c'est parti, déblocage de recherche. Hop là. Ah oui c'est bon, on a tout ce qu'il faut en plus pour le faire ici. Ouais. Putain, on a 3 mines de bon char pur là. Je crois qu'on a pas assez de matos à la base, hein. Je t'annonce. La recherche est derrière, c'est au fond. Mais je pense que je vais rentrer à la maison pour... Alors... Si on a l'énergie, essayer de retravailler le... comment ça s'appelle? Pour moi, il n'y a que des trucs nuls. Mais à toi de choisir dans les trucs nuls ce qui t'intéresse le plus. Alors attends. Alors, la tôle de recuite, c'est de la merde, on va pas se mentir. Ouais. Le béton alternatif, 3 mycélium. Oui, mais ça veut dire qu'on a envie de gaspiller un gisement de quartz pour pouvoir faire de la silice, envoyer cette silice avec du béton. Donc au lieu d'utiliser du constructeur, on va devoir utiliser de l'assembleuse pour sortir du béton.
Ouais, on est ok ou pas? Non, non, non. Non, parce que moi, mon béton pur là-bas, avec ces trois constructeurs à côté, ça se passe très bien. Hein. Le stack est déjà plein. Ouais. Pas de soucis. Bon, je le débloque quand même, parce que de toute façon, il n'y a que des recettes. Non. J'aurais plutôt pris le truc alternatif de... Quartz. De quartz. Ok. Ouais. C'est validé. Il doit en produire plus, sans doute, que l'autre variante, ou coûter moins cher. Ok, si tu pars à la base, est-ce que tu pourras, dans ta lancée, fais-toi une note quelque part, ramener pour moi 500 vis. Attends, faut que je m'ouvre un document à côté. Alors. Pourquoi je fais un open office? Non, c'est pas. Document. Voilà. Fil actif a été recherché, félicitations mon ami. Bien joué. Alors, 500 vis. Alors il nous faut 500 vis, 200 tiges. 200 tiges, ok. 50 rotors. Ah, 50 rotors, ok. Ouais. 50 plaques fer renforcées. Ok, bah attends, j'ai peut-être ça sur moi aussi déjà. Ah, excuse-moi, 100 plaques de fer renforcées. Ok. Il va nous falloir... 500 bobines de cuivre. Ouais. Et tout ce qui est fil actif, je m'en occupe ça pour l'instant. Je regarde s'il y a d'autres choses éventuellement à ramener à l'occasion. Parce qu'attends. Ça on peut pas déjà... encore les faire. Déjà, non, ça on peut pas le faire non plus. Je peux te filer les 50 rotors. Ah, et il me faut encore 50 plaques de plus. Et je vais commencer 50 à plaques faire... de plus en renforcé. En fer renforcé, ouais. Et je vais. Putain, c'est 100. Pouah, c'est cher. Alors, je peux nous débloquer ça. La poudre à canon. La poudre noire, ouais. Monsieur. Ok. Poudre noire trouvée. J'ai encore un peu de béton sur moi, si tu veux. Encore un peu de béton sur toi. Ouais, bah tu peux toujours lâcher le béton. Bah, alors, tiens, oui, pour toi, vérifie que ton mode Nyan 4, il est toujours actif. Hein. Je vois bien, c'est... ouais, il est toujours actif. Pourquoi? Alors, parce que en fait, tu vois, je sors là. Tu vois par là-bas là. T'évites ouais. D'y aller. Elle est très okay. Grosse et elle est très moche. Ok. Voilà. Vraie question. Ah, bah attends, tu m'as donné assez pour débloquer d'autres trucs. Ouais, mais je t'ai dit ce que tu m'avais demandé. T'as pas de la plaque? Si, j'ai de la plaque en face encore. Oh, bah vas-y, la joue un peu. Hein. Tiens. J'ai de la tige aussi un ah peu. Ah bah super. C'est tout ce que j'ai. Et bah mais du coup, je le dis tout de suite. Attends, ici, dans ces boîtes là, je vais poser du cuivre. Tu sais, des tuyaux pour faire des tuyaux. Je vais garder les cannes modulaires sur moi. Je vais garder les trois éclats de charge. Tiens, si tu voulais faire de la science dedans, j'ai aussi mis un peu de trucs. Non, ça, les agar et clardon, tu peux les emporter et les ramener à la base. D'ailleurs, tiens, tant que tu vas à la base, est-ce que je peux te donner, voilà, je te dépose 100 noix, j'en ai pas besoin. Elle me casse les noix. Je l'ai pas mis comme ça. Ok, ok. Attends, par où je rentre à la maison? Par là-bas? Ah bah c'est l'escalier que t'as vu, que t'avais commencé à emprunter. De toute façon, je te rappelle qu'elle est marquée la base, tu peux pas la rater. Oui, non mais je veux dire, est-ce qu'il y a un chemin qui a été fait? Est-ce qu'il y a pas de chemin? Non, oui, oui, enfin oui, il y a tout un escalier qui descend, je t'ai pas laissé en galère. T'es caté, poteau. Maintenant qu'on a de la production, je te le dis tout de suite, moi je vais retravailler le système de plaques et de rotors et tout ça. Hein. Bah, il va falloir, ouais, les replacer. Après, il faut que je retape l'usine dans laquelle on est censé les faire, hein, parce que j'ai posé hein, toutes les usines et j'ai connecté toutes les. J'ai tout connecté. Connecting people. Non, mais... Comme un sourd. Ouais, dans la grosse usine là-bas. Ouais, dans la B2. Dans la B2, j'ai tout connecté. Il faut juste que je construise tout. Mais après, je sais pas si on garde de la place pour de l'acier ou si on va transporter jusqu'ici en tapis. Je sais pas. L'acier, il y a des gisements à côté ici, hein, d'acier. Mais il y a, oui, alors de fer, ouais. Ouais, il y a du fer pas très loin. De fer. Et sachant que le charbon est à côté, autant de faire ça ici. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc je pense qu'il y a un truc qui sert vraiment à produire que du fer là-bas. Des plaques de fer renforcées, des vis, etc. D'ailleurs, en vrai, ça a l'air de rien, hein, mais le schéma de vis alternatif qu'on a utilisé, il nous a bien soulagé hein, quand j'ai retravaillé le truc. Ah ouais hein. Ah bah, mec, j'ai enlevé. J'en ai gardé un pour faire des tiges, mais en gros, j'ai viré deux fonderies, enfin, deux constructeurs. Ouais, ok, ça économise quoi.
Et du coup, attends, bah maintenant qu'on est au charbon, pas trop, mais quand on était encore à la biomasse, crois-moi bien, ça fait du bien. Là, on est à 607 de production possible. À fond. Et donc, bah là, mon bon monsieur, si tu veux tout connecter, bon courage. Parce que je rappelle qu'on a 3 gisements purs. Je te conseille d'en garder un en charbon-charbon pour pas alimenter des machines afin de pouvoir alimenter ce que j'appelle la poudrière. Faire de la poudre à canon, faire de l'acier, etc. Tu l'as débloqué ou pas le crash qui est là sur la route? Ouais. Oui, bah, tu peux te checker, mais je crois qu'il est, il est vidasse. Je crois qu'on l'a fait ensemble d'ailleurs. Attends. Ouais, sans doute. Sur le chemin, je regarde toujours à chaque fois parce que genre, on peut l'avoir oublié ou avoir fait un détour. Ah d'ailleurs, vu que attends, j'ai du broncheur, la B2 elle est branchée ou pas? Non, ouais, tout est branché, monsieur. Tout est branché. T'as, t'as relié la B2 aussi? J'ai relié la B2. Tout est branché. I repeat, nous sommes branchés. Ok, bah je vais aller à la maison et je vais défendre le système qui servait à faire tout faire à la maison. Je vais tout débrancher ce qu'il y a à la maison. Et je vais aller reconnecter. Et n'hésite pas à me ramener de nouveau du béton. Il y en a une caisse pleine, hein, normalement. Oui, j'ai dû virer l'ancien béton, faut que t'ailles à la B2 pour me ramener du béton. Mais par contre, ça régale, hein, parce que c'est déjà plein. Je peux passer par là ou je vais m'intoxiquer? Yes, je m'intoxique. Yes, yes. Moi j'adore, c'est yes, un peu comme dur. T'as sorti les tiges pour les envoyer où? Hein? Sorti des tiges, moi? Ouais, d'en bas. Truc d'acier d'en bas. Alors après, oui, alors j'ai juste connecté, mais en fait, normalement, c'est juste pour que t'aies un truc plein de tiges. Ouais, non, c'est bon. Ça rase de ses morts! Ça faisait des cadres renforcés ici. Pourquoi ça fait des cadres renforcés ici? Parce que ça va être demandé en technologie, monsieur. Et pour les constructs. Ah, d'accord. Et donc, ici, okay. Et au passage, si jamais t'en as pas besoin, hein, je les mettrai dans le broyeur parce que ça fit bien. Hein. Ça fit juste plutôt bien. Mais normalement, t'as assez de production pour bien te régaler en général. Ouais, mais je vais juste du coup démonter tout ce qu'on a à la maison, ça à côté du TP, pour déplacer ça à la B2. Ouais, bah ok. Ah, quoique non. Quoique non, les rotors, le module alternatif. On a du cuivre à B2? Alors, non, on a un cuivre impur nul, mais par contre, à côté de. Là, à côté de la B3, on a un cuivre pur. Mais vraiment à côté, je crois que je l'ai raccordé en plus. Si je dis pas de bêtises, il est raccordé. Et on a deux fers purs à proximité. Donc soit je nous fais une B4 à côté de la B3, soit on raccorde ça, moi je te fais des escas, tout ça. Je te ramène tout ça là-haut, hein. Y a pas d'embrouille. Non, parce qu'en fait, on a un... Comment ça s'appelle? On a... Pour faire les rotors, on a un module alternatif, tu sais. Qui demande du cuivre et qui coûte moins cher. Ouais, tout à fait. Ben, on a un cuivre, mais pur. Là, moi en fait ce que je t'indique là, si tu regardes sur ta carte, c'est que des purs. Tout ce qui est marqué c'est en pur. D'ailleurs je devrais peut-être démonter cet escape pour faire un chemin plus court. Ouais non, je sais ce que je vais faire. Je vais laisser les rotors se faire à la maison pour l'instant. Ok, parce qu'on en a rien à foutre. Et que ça se pose bien, on en a plein d'avance. Et je vais démonter tout le reste. Je suis resté un peu pour jouer. Un petit peu vite fait. Ok. Et donc là, ce qui m'intéresserait, c'est de couper, c'est de couper à travers ça. Mais alors, c'est chiant en fait. Alors, je démonte pas tout à la maison. Il va rester du bordel. Oh, c'est toi qui vois. Hein. Je démonte les modules de production, le reste. Ah oui, ça c'est la biomasse. Biomasse. Ça c'est à moi. Biomasse qui ne sert plus qu'à aller alimenter le brûleur. Ouais. Alors est-ce que je fais genre un truc plus par là? Genre on y croit à mort. Ouais, c'est parti pour les vrais chemins. Je crois que je vais finir par devoir baliser des chemins. En gros comme une montagne. Tu m'as dit qu'à la B2 on a quoi à la B2 exactement?
On a du fer. On a... C'est tout ce qu'on a? Est-ce qu'on a du béton là-bas? On a du béton pur et c'est justement pour ça que je te disais, le béton, j'ai tout démonté. Normalement, il faut être obligé d'aller à la B2 pour aller récupérer du béton. Parce que j'ai vraiment tout clean. Okay. Comme un gros sourd. Ok, donc je vais aller à la B2 mettre en place le nouveau système de production de plaques renforcées, tout ça, tout ça. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud là. En vrai, on dirait une immense forteresse la B2. Quand tu la regardes de loin. Vous ne passerez pas. Aujourd'hui. Par contre, faut vraiment qu'on fasse une bombe pour qu'on dégage le truc qui poutre là. Je sais pas si on peut les détruire, mais vraiment si on peut les détruire, avec quel plaisir. Dynamite. Avec une dynamite, on peut. Ah, c'est vrai, attends, on n'est pas sur la partie qui flingue mon PC, du coup, je peux remettre la visibilité loin. Distance d'affichage. Oui, tu n'es pas sur ma game. Ma game qui en vrai mériterait d'être filmée, je pense. Parce qu'il y a quand même. Il y a quand même quelques petits prodiges. Rien de faramineux non plus, hein. Je vais pas casser le game, mais... Il a cassé mon PC. J'ai cassé son PC, c'est déjà pas mal. Et au passage, bah, on pourra éventuellement se faire deux stations géothermales, là, boum. Ça apporte pas grand-chose. Ça coûte cher pour ce que c'est, mais bon, faut pas oublier que ça te consomme rien, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et tu la poses, ça produit tout de suite. Rien à faire. Même pas d'amorçage, ouais, rien, ça démarre, l'histoire. Alors attends, là t'as les gisements de fer pur sur lesquels t'as branché des convois qui partent perpète ailleurs. Oui, parce que je leur ai pas donné de destination ni rien. Schéma éventuellement à refaire. Mais c'était pour préposer, pré-brancher et voir si ça tournait. Résultat, ça marche. Ok, bah je vais poser une industrie... Je vais reconstruire un nouveau setup et je vais tout brancher, je pense. Ouais, bah n'hésite pas. Désolé. Alors, non, mais y'a aucun souci, Moi j'ai posé ça comme un sac, y'a pas d'embrouille. Tu m'as dit que chaque mine pure alimentait combien? Pour moi, 4 fonderies. Pour toi, 4 fonderies? Ouais. Ok. Parce que je crois qu'une fonderie c'est du 30 par minute pour faire du lingot, vérifie dessus. Et la mine ça sort du 120. C'est ça, ok. Ah, ouais, c'est fâché, hein. c'est un peu méchant. Et après, on pourra augmenter le débit. Hein. Ouais, ça fait des petites prods sympas. Hein. Alors, cette mine là, elle viendra ici. Donc, j'ai posé. J'ai tout cassé. Hein. Je vais pas me mettre près du caillou, je vais me mettre dans l'open space. Ouais, parce que moi j'avais tiré ça, je te rappelle, j'avais qu'un début de base. Hein. J'avais pas fait un grand parking comme j'ai fait là. Puis là, je te rappelle que dès que tu sors du bloco, c'est un autre parking à côté. Avec encore du fer pur. Ouais, là où il y a le béton. Alors, fonderie, il m'en faut 4. Ok. Ah, mais c'est du convoyeur MK2 en plus dessus, j'ai chié. J'ai pas prévu moi ça. Ah oui, j'ai balancé du MK2 partout. Hein. Oui, c'est pour ça que t'as pas tant de réserve que ça de MK2. Parce que j'ai passé tous les tapis de toutes les bases en MK2. Tout est en MK2, partout. Ça explique beaucoup de choses. Mais bon, si tu rases la production de fer du QG, tu devrais te retrouver en termes de MK2, tu devrais avoir ce qu'il faut. Ouais, pour l'instant, j'y touche pas. Je suis en train d'essayer de. Ouais, de dessiner d'abord un truc avant de dépouiller le reste, normal. Il a fallu 30 secondes pour détruire les 4 premiers trucs que j'ai posés, comme ça c'est fait. La base du métier, mec. En vrai, je crois que j'ai assez de bobines pour lancer une prod. On va en sortir 150, allez. Allons voir où est-ce que nous en sommes dans la recherche et j'ai encore un disque dur disponible. Hop là, schéma à barre d'armature, le pistolet à barre d'armature est fait. Il ne manquera plus que des tiges pour continuer ça. On lance la recherche. Je m'interdis de construire, jeu de merde. Électronique en caterium, c'est débloqué. Je n'ai
plus le droit de construire apparemment. Ah, à l'occasion, tu peux me ramener des... Ah, attends, je crois que je peux les produire. J'ai rien dit. Je crois que je peux les produire. Si je peux, je les fais. Ah, ok, d'accord. Allez, je les fais. Bon, bah, j'ai plus de plaques. Plus de plaques, j'ai plus de vide et j'ai plus de tiges, mais c'est pas grave. J'ai les cadres modulaires qui me font bien. Il va falloir que je trouve du soufre maintenant aussi. Parce que j'y pense ça, j'ai pas poussé à haut. Hein. Bon, on fait du fil actif, hein, c'est parti. Je suis désolé, mais je dois enlever des barrières qui me gênent. Sur le côté, en fait, elles ont une hitbox en fait trop large, les barrières, c'est débile. Hein ? Normalement ça passe, mais vas-y, démonte-les. Non mais en fait, si tu veux... TKT, démonte tout, défonce tout, de toute façon s'il y a besoin, je prendrai un peu de temps, hein, comme j'ai fait là précédemment, hein, et je rebuilderai tout, il n'y a pas de souci. Non mais, je les ai retirés, de toute façon c'est pas grave, tu vois, genre... C'est juste qu'elles ont... En termes d'art design, c'est ultra grave. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... Je crois que t'as pas remarqué à quel point le design a été poussé. Ouais, c'est ça. Mais, en fait, vraiment, il y a un truc qui me choque dans le jeu, c'est qu'il y a des trucs qui ont des hitbox, mais dans... Ouais, non, mais les barrières d'un côté, elles ont des hitbox où elles te gênent pour la construction, mais par contre, quand toi, tu les veux les détruire, il y a des piliers où il y a des parties de la barre où tu peux pas la sélectionner. C'est un peu la ramasse, ouais. Des hitbox, en fait... Claqué au plancher. C'est très beaucoup l'aléatoire, quoi. C'est très beaucoup l'aléatoire, c'est ça. Un peu comme ton français, là, maintenant, tout de suite. C'est ça, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près très aléatoire, comme ça. En fait, ouais. Je suis en train d'essayer de poser mes trucs et de réfléchir en même temps. Pas de soucis, que hein. Je parle. Pas de soucis. Alors. Caterium. Alors, j'ai pas assez de plaques de fer renforcées. Ah, ça, c'est dommage. Je peux faire ça. Pourquoi ça, je peux pas le faire? Si, je peux lancer la recherche de ce truc-là. Ah, il me faut même ça, il me faut de la tôle de cuivre aussi à l'occasion. La tôle de cuivre, j'en ai posé plein. Ah oui, il y en a plein. Yes, exact. Hop, hop. Ah vraiment, elles ont des Xbox vent, alors, je laisse les barrières. Par contre, très bonne nouvelle, monsieur. Dans 5 oui. minutes, nous avons les décathlons. On va pouvoir courir plus vite. Et sauter plus haut. Et sauter plus loin. Et sauter plus fort. Là, il me faut 5 tickets là encore. Là. Pff, mal aux cheveux. Ouais, le mec est en train d'essayer de comprendre le sens du fil actif. Bon, après, il faut de l'acier, il faut les rotors, il faut les stators. Voilà. Pour le précurseur de ses morts. En termes de design, on va pouvoir aussi redémolir nos pompes à eau pour ne mettre qu'une seule pompe à eau. Ouais. Si on en a besoin que de mais une pour les 8, ça fera une sacrée économie. C'est une vraie question là que j'ai, c'est est-ce que je commence tout de suite à produire en masse du plaquage intelligent ou pas? Tu peux hein, si on a les moyens, vas-y hein, te gêne pas hein. Je crois que ça bouffe que de l'acier en plus ce truc là. Enfin, ça bouffe que du fer. Ça nécessite aucune autre ressource. Qu'est-ce que j'ai dans mes items de main que je pourrais remplacer? Le pistolet là. Le pistolet. Hop là. Tasse. Parti. Voilà. La bonne tasse. Très important. Allons profiter du bruit des usines. Ah, le doux bruit de la civilisation. Au matin. Ou au soir. Au soir. Ouais, c'est le soir. C'est le soir. J'aimerais bien par contre qu'ils fassent un truc tout con hein, dans leur futur DLC, puisqu'ils l'ont déjà fait plus ou moins pour nos lampes torches. C'est un éclairage, parce que la nuit dans tes usines, tu ne vois que dalle. T'as pas d'éclairage public. C'est niette quoi. Ah ouais. Alors, je tiens à dire que comme c'est une première esquisse, je ne veux rien entendre. Ah non, mais je te dis, hein, fais tout ce que... Hey, je t'ai jamais rien critiqué dans tes machineries. Vrai ah ou non, faux? Non, mais... Ça. Pour une fois... Gros connard.
La seule critique, on va dire, que j'ai mis, c'était de descendre les machines de charbon en bas. Enfin, c'était plus parce que je connaissais le truc. C'est ça, pour éviter de pomper comme des sourds et de devoir du coup bouffer de la consommation juste pour pomper de l'eau. Mais non, je te laisse te régaler, je te laisse t'amuser. Moi, je fais chier les boomers, je bois un café, voilà. Formidable. Ils sont dégoûtés. Avec quoi les mineurs, j'ai fait un truc de ouf. J'ai cherché des paléobels en fait. Voilà. Pouce bleu. Toi, tu devrais essayer de choper un chien. J'en ai caressé un, mais je sais pas ce qu'il faut lui donner, Kleber, pour qu'il soit content. La paléobel. Ah, parce que ouais, il voulait pas trop, je crois, la dernière fois. Mais ouais, vas-y. Bah, il y en a un dans l'usine en fait, je l'ai gardé. Toujours au milieu de l'usine. Ouais, et il faut s'approcher de lui doucement en fait. Ah, genre en mode accroupi. Ouais, avec la paléobé dans la main et lui présenter, si je me souviens bien. Ouais, mais je sais pas comment on lui présente. C'est pas clic gauche, c'est pas clic droit. Et tu t'approches de lui. Non, d'accord. Tu t'approches de lui en fait, et tu feras E dessus après. Ah, le caresser. Je crois. Okay. Ou alors, faut le poser par terre et il va venir dessus. Je sais plus, hein, ça fait longtemps. Ok. En même temps, j'ai pas de bons souvenirs de ce truc là. La dernière fois que j'en ai eu un, je vais pas mentir que le truc il m'a. Pourtant, pas tué. Ah. C'est autre chose. Oui, la dernière fois il m'a ramené de l'uranium en fait. Ah. Ah, il te ramène des trucs. Ouais, la dernière fois il m'a tué. On va tant peut-être... que tu lui prends pas, il le garde. On va peut-être le laisser à l'état sauvage, hein, il est mignon. Il est bien comme ça. Hein. Et tant que tu ne prends pas. L'objet, ouais, il le garde. Il garde comment en ça, gueule. On n'empiète pas sur le terrain du voisin, mais ta mère, je peux pas sortir quelques plaques là, vite teuf. Tac, tac, tac. Pour faire de la plaque, il faudrait que je fasse de la. Oui, mais j'ai pas de plaque de base. J'ai pas de fer. On a 1 million de fer, j'ai pas de fer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Fer. Voilà. C'est exact. Nous avons le décathlon, monsieur. Bien joué. Est-ce que tu penses pouvoir le produire chez toi ou pas du tout? Non, parce que j'ai absolument zéro fer et je pense que ça va m'en demander. Je vais regarder, hein, mais... ils sont les décathlons. Ils sont là. Alors, j'ai tout ce qu'il faut, à part des cadres modulaires. Et pour ça, bah, il me faut des placasses renforcées, j'en ai pas. Il y a ce qu'il faut à la maison. Ouais, mais si j'ai... tu cours à la maison, il y a ce qu'il faut. Là où je suis, de toute façon, j'ai ni assez de vis, ni assez de plaques de fer renforcées. Donc, à moins que je descende. Désossé. Ouais, mais je vais pas aller à la maison pour l'instant. Je vais peut-être lancer une autre recherche avant. D'autres trucs. Dans le Caterium là. Ça, je peux lancer. Là, je lance 3 secondes. On peut faire les contrôleurs d'IA. Bien joué. Ce qui me permettrait de rechercher ensuite le répartiteur intelligent. Très utile quand tu commences des wagonnets. Pas assez. Et pas assez. Faut que je trouve du soufre aussi. Oh, mais bon. Ça va pas te plaire. Il y a des trucs qui se chevauchent. Mais pas de soucis. Je te dis, je démolirai, je recommencerai, je rangerai proprement. Je t'ai laissé faire tes usines à charbon et t'as vu, bon, je suis passé vite fait, j'ai nettoyé un peu. Voilà. C'est juste un peu plus clair et puis basta. Ouais, non, j'ai pas assez de place. Alors là, si tu me dis que par contre il n'y a pas assez de place, là bah, c'est moi qui vais gueuler. Non, mais en fait j'ai essayé de me mettre près des gisements de fer, tu vois, pour pas aller trop loin, pour pas draguer des trucs trop loin. Et sa mère, au final, je suis trop proche. Je vais te dégommer là. Je finis la machette. En fait, je me suis mis trop proche. Je vais te mettre chez T. Je pense que je vais même dégager le brûleur, le broyeur tant qu'à faire. Peut-être tellement pas, calcaire que ça mériterait que j'aille voir s'il n'y a pas du calcaire pur en fait. Parce que j'avoue en fait la B3, si là les calcaires à côté de nous ils sont purs, globalement il y a tout à côté quoi. Il y a le catérium, il y a les fers purs, il y a le cuivre pur, il y a le charbon pur, il y a le catérium pur qui est pas très loin. Je manque juste d'un peu de béton pour terminer l'ouvrage. Du coup, on va rebouffer un peu de gaz toxique. On adore ça. Et c'est reparti.
Ah non, c'est pas le moment de sauvegarder. Comment je tourne un mur? Je sais pas, mais il faut le tourner. Sinon ça marche pas. Oh, je vais pas pouvoir monter, c'est ça le jeu. Oh, sale bâtard de jeu de merde. Oh. Vous avez reçu 25 nouveaux messages. Aïe. Aïe aïe aïe. Péter les guibolles encore. Ah, okay, ça serait pas. Hein. Comme ça que quoi? Ah, mais je peux pas monter récupérer le caisson. Je me dis. Faut du béton. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, mais tu l'as fait. Ouais. Et les gens te le reprochent. Hein. C'est eux, ils sont en train de voir là. C'est moche. Hein. Ah, je fais ça comme ça. Comme ça, je conserve les trucs propres que toi t'as fait. Et j'arrive. Oh, mais ils sont ici. Pas propres, hein, mes trucs. Hein. Tu veux tout démolir. Ouais, non, c'est ça comme c'était parce qu'au final ça m'économise de la place ce que t'as fait. Ouais, mais je pourrais te faire des convoyeurs muraux. Parce que normalement, je crois qu'on a les supports muraux. Je suis même pas sûr, attends. On a les supports muraux. On a les supports muraux. Je pourrais te faire un truc un peu stylisé et un peu propre sur les murs. Ouais, mais non, 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 là j'ai gardé comme c'était. Ah, oh, les noix qui repoussent, quel plaisir, parce que j'en consomme un peu. Avec mes tentatives de suicide impromptues. J'ai tout piqué. Voilà, il y en a encore. Non, 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 non. Ok. Voilà, t'as démonté quand même. Si, t'as démonté une assembleuse là, ici. Je vais voir ça. À la maison, ouais, j'ai démonté, mais j'ai tout laissé dans les stockages. Ah, bon, on aurait peut-être pu continuer à les laisser tourner pour. Engranger de la plaque, non? Pendant ce temps-là. Non, mais regarde, y a ce qu'il faut, hein, gros. Écoute, c'est toi le patron, patron. Ah oui, t'as tout. C'est comme un gros sac. T'as laissé les tapis en suspension et tout comme un gros sac. Alors, oui, mais j'ai une explication. Il y a une explication en plus derrière ça, c'est beau. Je fabriquais pas des cadres modulaires moi. Ah si, avant que tu le désosses. Si, ils sont tout au bout. C'est pour ça que je comprenais pas d'où sortaient les cadres modulaires. Parce que c'est pas moi qui avais lancé la production. Non, c'est moi. Et en plus, on en a masse, mec! Oh, quel bah plaisir. Oui! Ça a pompé quasiment toutes les plaques renforcées, c'est pour ça que j'aimerais relancer des plaques renforcées. Ouais, mais on avait presque terminé, ceci dit. Hein. Le conteneur était plus qu'à moitié plein. Ouais. Parce que ça va vite, hein, les cadres modulaires. Hein. Ça se monte vite. Ouais. Bah, à titre informatif, en fait, j'avais dû ralentir la production en fait, de plaques de fer renforcées parce que c'était les mines derrière qui suivaient pas. À la base, j'avais fait ça, mais j'avais surcadencé les plaques comme un fou. Et les mines suivaient plus. Les mines, elles ont fait « je tousse ». Si tu passes à la B2, tu peux ramener des rotors. Parce que du coup, je l'ai tout filé comme un gros connard. T'en faut combien? Ramène-moi un genre de 200. D'accord, trop tard, parce que j'arrive à la B2 avec que 123. C'est pas grave. Sachant que moi, il m'en faut pour mes recherches à la base, je crois. Ouais, je te file tout, on verra bien. Au pire, je referai des allers-retours. Et là, alternative de plaque renforcée. Tac. Donc là, déjà, ça recommence à produire. Est-ce que ça marche? Apparemment, oui. Ok. Maintenant, convoyeur muraux. On va essayer de faire des trucs. Support mural.
t'as posé ça où à la B2? Nulle part, j'étais en train d'apprivoiser un dogo. Ah, du coup tu y arrives ou Bah j'y suis. Bah j'apprivoise le dogo de. Le dogo de la B2. Ok. Qu'on va appeler B4. Il n'y avait aucune originalité, vraiment. B2 bis. Tiens. Merci. Par terre sous ton nez. Ouais, merci. Pas de sous. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, cadre modulaire. J'en ai pris pourquoi? Je sais même plus. Mais il y avait sûrement un intérêt là-dedans. Pour faire les décathlons. Ah, c'est exact. T'aurais le mec, pas... c'est pas pire, quoi. Il faut vraiment. T'aurais pas 6 rotors? En fait, t'as dépanné un frère, t'as vu? Un frère dans la galère? Ah oui, mais faut que j'aille chercher du catharium dans tous les cas. Ouais, il se balance. Mais non, mais pas 27, il m'en faut juste 6. Ah, mais c'est pas grave, je dirais courir vers la maison en chercher, il m'en faut 8 par 8 pour poser les assembleuses, c'était juste pour ça en fait. T'as prévu d'en poser combien? Est-ce qu'on veut des. Ouais, on veut une production de. Et n'oublie pas que tu vas faire crash le système. Hein. Ah, du béton non. Il me fallait du béton avant que je me tire d'ici. Vite, parce que ma vie sans béton, c'est de la merde. Ouais. Non, je vais pas faire crash le truc, t'inquiète. On a 500 de mégawatts de... de production de surplus d'avance. Et je suis en train d'essayer d'utiliser les convoyeurs muraux pour faire des trucs stylés et tout, mais mais c'est pas stylé. Il s'avère que je fais de la merde. Bon, TKT, je m'en occuperai, pose tes trucs, je relocaliserai les choses, t'embête pas. Bon alors, c'est le moment de tout faire crash en faisant tourner le béton à fond les manettes. Est-ce que je peux poser un support mural sur un support mural? Non, je crois pas. Ce jeu est nul. Bah, ce jeu fonctionne quoi. Par contre, je peux poser un support mural juste au-dessus d'un support mural. Est-ce que ça va me dire que j'empiète sur le convoyeur? Non, le convoyeur maintenant peut se traverser. Ce qui n'était pas le cas avant, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est pour ça que je disais que j'en t'allais pas vraiment apprécier si je les faisais se traverser tout à l'heure. Oh, je m'en fous. Oh, vraiment. Fais ton truc, fais un kraken, je désosserai ça moi-même parce que t'as pu le voir sur ma partie privée, une fois que t'as l'habitude de faire des kraken, quand t'arrives à la fin tu fais, ça va être compliqué là en fait. Si tu ranges pas au fur et à mesure, à la fin tu bugs un peu, ça va être chaud. Comment ça tu ne... Ah oui. Ah oui au fait. Non, pas ça, on s'en fout du X. Ça. Du soufre? On en a où? Du soufre, je sais pas, monsieur. Hein. À première vue, c'est pas à côté. Soufre? Attends, je peux scanner le soufre moi aussi de mon côté? Ouais, on peut maintenant. Attends, je vais te dire. Oh, moi, le jeu, il m'a juste dit non, en fait, il y en a pas sur la carte. Ah, si, ça y est, à 1600 mètres. Vers. La B3. Pas mal. On a deux gisements de soufre à la B3 côte à côte. Ah ouais, ils se perpètent. Bah en fait non, pas tant que ça, je te rappelle que nous les gisements de charbon étaient genre à 1200 mètres, donc ils sont pas très loin, ils sont vraiment pas très loin de la B2 Expand, la B2 Expandable. À quoi qu'ils sont peut-être dans la vallée. Je veux éviter de faire des kraken en fait, c'est surtout ça le truc. Comme ça, t'as pas besoin. Mais fais des kraken, c'est pas grave, je le repasserai, t'es caté. Sans un moment donné ou un autre, je vais repasser dedans. Donc te fais pas chier. Oui. Si. À un moment donné, quand j'aurai tout débloqué en termes de stuff, on pourra faire des vraies bases avec des vraies plateformes qui passent à l'étage, avec des étages où tu peux produire certains trucs à d'autres étages, enfin comme sur ma base. Hein, où en bas, tu pompes du charbon, au-dessus, tu fabriques de l'acier. Voilà. Classique. Ah, ça, ils sont tellement dans la vallée de Dana. On va
D'après ce que je vois, celui-là, en fait, où est-ce qu'il se trouve? Ouh, ça rabote. Ouais, le jeu il me dit quand même, t'es sûr de vouloir aller... T'es sûr que t'as besoin de souffre en fait. Je crois que c'est ce qu'essaye de me dire le jeu. Je suis pas formel mais ça y ressemble vachement. Ah ouais? Ah à ouais. Ce point-là ouais, 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 quand même. Ça y ressemble beaucoup. En mode mec, je suis sûr que tu peux faire une game sans. Sauf que moi, une game sans fusil, pas possible. Faut que j'apporte la civilisation, ces tribus de sauvages. Les sauvages, pas tout, même pas des êtres humains. Aucun tas. Pourquoi j'arrive pas à prendre ma tronceuse? Voilà. Déblaye-moi ça. Déblaye-moi ça. Déblaye-moi ça. Pareil, hein, c'est pas dans le bon sens. C'est compliqué à gérer. Mais bon, lorsque t'arrives à faire des petits murs avec des petits supports, en fait, t'es bien content quand même. Hein. Ça fait classe. Ah. Ça fait propre. Quoi. Ouais, ouais. Faire ça en vis alternatif, hop, tac. Ah, les vis alternatifs, c'est tellement bien en vrai. Trop content qu'on l'ait pris, quoi. J'ai plus de tombé, plus de béton. Si on variait les plaisirs, ah, mais non, par contre, pas comme ça le plaisir. Plaisir comme ça. La légende raconte que j'ai plus de béton. Alors, la légende raconte que si tu vas vers un conteneur, tu devrais en trouver un peu. Vers un conteneur, où ça? Bah là où il y a le... En XT, quand tu rentres par la rampe principale à gauche en fait. Ouais. La légende raconte, jeune padawan, que lorsque tu le verras, tu le sauras. Et tu vas trouver. Ah, ouais, ok, d'accord, ouais, je vois de quoi tu veux me parler. Je vois des câbles qui pendent en l'air et c'est les seuls câbles qui restent en l'air. Bon, bah maintenant on a un chemin jusqu'au Catarium. Après, il est vrai que j'aurais dû garder mon petit chemin depuis la... Ouais, bah on va se refaire ça aussi. Par contre, un truc que je trouve intelligent dans le jeu par rapport à de nombreux constructeurs de jeux où tu peux construire, c'est que tu peux te déplacer pendant que t'es dans ton putain de menu de construction. En train de choisir ce que tu veux poser. Bon, c'est vrai que ça, par contre, on me retirera pas que c'est une idée de génie. Bon, écoute, on va descendre dans la vallée comme ça. Oui, vas-y, tu peux dire de Dana, hein. Je sais que t'emmerdes en ligne. De manger surtout. Quelle cible? Là je mange de la cible. Ah. C'est smooth jusqu'au bout. Oh, j'aurais pas de quoi. Non, parce que j'ai oublié de prendre des plaques 100%. Ah non, il faut juste un mineur. Allez hop.
ramasse-moi ça. Ramasse-moi ça. Toi, on va te laisser là. Hein. Je sais pas si j'ai besoin de te bouger. J'ai pas besoin de te bouger. Excellent. Excellent, excellent. Je vais te tourner plutôt par là, ce qui a l'air d'y avoir un peu plus de place pour faire des choses. Hop. Et ici, mon petit pote. Ah, c'est trop long. Ah, c'est trop long. Oh, c'est parfait. Alors, j'ai remis en marche le système de plaques renforcé. Et je vais devoir taper un AFK. Peut-être assez long. Oh, vas-y, on tape ton AFK. Et c'est branché, c'est en marche, ça tourne. Jusque toi tu viennes ici et que t'ailles. Oh, c'est voilà. Une erreur. C'est un échec. Moi, je peux pas l'attraper, du coup, c'est trop loin. Ah, c'est mal. Allez, je tape mon AFK, je reviens. Oh, dans une heure ou deux. Ça marche. Ouais, c'est pas qu'on va pouvoir raccorder tout ça, c'est beau. On va sortir du catérium, on va être bien. Trop long. Trop long ici, trop long. Et boum. Ça, c'est une affaire qui tourne. Pouf, fondation. De rien, mais après ça me permettra de mettre des barrières pour éviter de se croûter pendant que tu fais autre chose. Genre, tu bois ton café, tu cours, tu te croûtes. Voilà, super. T'es monster dégoûté. Ce poteau me dégoûte un peu. Ah, j'ai pas entendu tout le système crasher. Oh, je suis étonné. Est-ce qu'on le met proprement là en fait? Enfin, à peu près proprement. Pas trop sale quoi. Voilà. Très joli. Au moins, c'est branché, c'est fait, c'est beau, c'est à peu près propre. Je dis bien à peu près. Même si l'escalier est à refaire. Ce qui n'est pas droit. Ouais. Toutes les choses qu'on a à faire. Du décathlon, alors j'ai rien lancé ici. On se prend un disque dur. Il fallait du fil là, de catérium. Oui, du coup, tant que j'y étais, j'aurais peut-être pu poser mes usines aussi. Mais les manufactures pour sortir du fil de catérium. Bon, il n'y a pas d'urgence immédiate. C'est vrai que ça aurait été pas trop mal. Ça aurait été une trop mauvaise idée. En plus, ouais, il faut que je cours après les gisements de soufre. Ça, c'est important.
ça par contre, c'est qu'on a plus de repères. Tac. Ici, je voudrais 2 D4. Alors, ça plus par là, ça par là, ça comme ça. J'ai quand même transformé le reste en fil actif pour être amené à en avoir besoin. D'ailleurs, on va être amené à en avoir besoin. Ah, excusez-moi, ça a glissé de la barre espace. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des ressources que je peux réempiler. Charmant, j'ai envie de le garder sur moi. Pour fabriquer moi-même à la main les premières poudres noires. Pas forcément envie de m'en débarrasser. Pas beaucoup de bois, pas beaucoup de feuilles. Franchement, ça changerait pas grand chose que je transforme tout ça. Regarde ce que je peux compiler aussi. Hein, des stacks. Je pourrais sortir quelques plaques de fer. Enfin, mon inventaire, quelques plaques de fer en donnant une bonne gueule au truc. Ouais. On va garder ça comme ça. Sinon, voilà, il y aura des choses qu'on pourra abandonner à la limite si on n'a plus de place. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Il fallait des tiges pour je ne sais plus quelle recherche. Ah, parce qu'avant de partir, je fais peut-être une recherche que je peux lancer. Ah si, on a 84 bobines que je pourrais transformer en câble. Ça me libérerait un peu de place. Ah, ça n'a libéré aucune place parce qu'on est c'est sans câble. Ok. Bon, on n'a pas gagné de place là-dessus. Pas gagné de place, on n'en peut perdre non plus. Tout va bien. C'est long. C'est long, c'est loin. Hop. Ça va être là où il y a la grosse araignée. J'ai pas envie d'aller voir, c'est ça. Par là. Pas là où il y a la grosse araignée que j'ai pas envie d'aller voir. C'est pas exactement là où il y a la grosse araignée que j'ai pas envie d'aller voir. Peut-être qu'on a quelque chose. Ouais. Ouais, normalement tu tapes la tige. Mais ici. Oh, le fumier, il a glitch à travers la tige. Quel bâtard. Il y avait un champignon. Ah oui, c'est vrai que du coup je saute haut. Hein, j'ai pu afficher le gisement. Affiche. Par là normalement. Là. Ouais, il y a des œufs de dinosaures. Trop rigolo. Ah non. Ah non. Attends, c'est un... Ouais, il y a un gros, il y a un truc en bas. Il faut monter. Il faut monter... Attendez.
Ah ouais, mais faut que j'aplanisse tout ça. Ouais, bon, on va faire d'abord une montée. On aplanira le terrain plus tard. Hein. Ah, du coup, on fait ça. Hein. Hop. À 200 mètres. J'ai presque envie d'aller voir tout droit. Hein. On va remonter encore d'un cran. Ça rame. Ça rame, mais c'est là. Dans les gaz toxiques. Ici, salaud. Oh ouais, putain, rien. Troisième con. Il est pas là. Il est là. C'est celui que j'ai commencé à tabasser. Et donc il y a un gisement ici. Ouais, mais l'autre il est où? J'ai envie de regarder, mais j'ai pas envie que l'autre me pousse. Attends, vas-y, il est où l'autre? Il est encore à 300 mètres par là. Il est comment celui-là? Normal. Celui à 300 mètres. Il est pas à côté. Donc on s'aligne. Transformer le monde en parking. C'est beau quand même, hein. Ah, le désert. Encore. Ouais, sauf que... Ah, celui-là, c'est le désert-désert. Ok, bon. Eh, c'est un gisement de catharium, ça, là-bas. Si je fais catharium. Ah, c'est du catharium, tout ça, ok. D'accord. Bon, nous, ce qu'on veut, du coup, c'est soufre. Non. Ah ouais, donc là, il est déjà en dessous de moi, en fait. Et qu'est-ce qu'il me raconte comme merde? Bon, descendre.
Double gisement. Normal. Et impur. Oh, la déception est totale. Oui, petit bâtard. J'ai touché tout le monde. Je me coupe de verre. Bon, allez les cochons. Bon, ça c'est fait. Donc, normal et impur. La déception est totale. Du coup, je me demande si ça vaut vraiment le coup d'aller plus loin. Finalement, même avoir un simple gisement normal à côté de chez soi, peut-être bien suffisant. Un truc que je peux me faire maintenant aussi. C'est un petit atelier vite fait. Fabriquer la poudre noire à la main. J'en ai 22, il m'en faut 24, j'en ai 22, il m'en faut pas 28, mais 56. Parti, 56. C'est bon, j'ai. On condense ce qu'on peut condenser, ça va vite. Après, ces deux-là, ça nous fait deux gisements et ils sont pas dans le gaz. Ce qui est pas mal aussi. Parce que dans le gaz... Dans le gaz, c'est pas trop fun. Wow. J'ai plus l'habitude du coup d'être en décathlon. J'avais pris trop l'habitude d'être en décathlon et maintenant j'ai plus l'habitude d'en être. Hop là. Allez hop, donne la limace verte. Ils sont où ces cons? Oh bah je les ai perdus. Gisement là, c'est encore du cuivre. J'ai pas forcément non plus un grand besoin de cuivre, mais j'aime bien faire disparaître les gisements. Allez, dépôt. C'est pas considéré comme des gisements, mais des dépôts. On peut monter quelque part là. Genre par là, c'est très bien. Oh, des cochons. Merci, j'étais un peu bloqué. Hein. Mais, on te déconne pas non plus. Quoi. Merci. Hop là. Quoi? Oh, mais si tout le monde bug à moitié, hein, c'est chiant. Là. Et une autre verte. Loup. Ça, c'est pris.
Du soufre. Ouais, vas-y, je le prends. Si jamais. On le prend. Tout en donne. Voilà, ça c'est fait. Autre chose que je verrai là vite fait de mes yeux. Que voient mes yeux d'elfe? Je suis pas un elfe, je vois que dalle. Traduction, je ne vois rien. Oup. Ok. Alors attendez, j'ai reçu juste un message Discord, je sais c'est pas très pro, voilà tout ça, mais voilà. Hop, c'est fait. On roule. En même temps pro, sur comme d'hab, qu'est-ce qu'on se rappelle les couilles. Heureux. Ah, bonsoir. Ok, donc. Alors, bonne et mauvaise nouvelle. Laquelle? Alors, j'ai fait une route jusqu'au soufre. Ouais. C'est un simple gisement de soufre normal. Du coup, j'ai tiré une deuxième route qui va carrément plus loin pour te donner une idée. On voit la map désert. Ok. Là, il y a deux gisements, un normal et un impur. Et je suis pas allé plus loin. Par contre, il y a des gisements de catérium en rab et il y a d'autres choses. Il y a très probablement d'autres choses. Voilà. Bon, en tout cas, le premier cuivre qui est normal est proche de la base et j'ai tiré une route pour y aller. Voilà. Ok. Donc je me dis qu'on fera avec un normal, hein, ça sera bien. Ouais, mais de toute façon, attends, de soufre. De soufre, on en a besoin pour quoi? Poudre à canon. Et c'est tout. Ouais. Voilà, on s'en fout que ce soit normal ou pas. Ouais, on produira des munitions, des bombes et des tout ça un peu moins vite. Ouais, mais voilà, c'est tout. Ah, mais bon, le lobby de la destruction massive de ton prochain, elle est un peu déçue là. Est-ce qu'on peut partir sur une petite routasse un peu propre, genre comme ça? Oh, calmez-vous les boys. Bonjour, bonjour. Oh là, c'est le bordel ici. C'est un peu toxique comme ambiance, hein. Ok, ça. C'est ultra toxique comme ambiance. Je bouge un peu. Deux secondes. Ils sont où les mobs débilus? Mais c'est à moitié tombé. Bande de cons. Hop. Alors ça va être chaud d'y accéder hein, quand même. Hein. Ah non, alors si tu me pousses mec. Hein. Mais jamais tu me pousses. Hein. Tu fais pas ça. Hein. Dégage. Voilà, viens, viens, viens. Viens frère, je te règle. Petite as sur le museau. Hop là. Quoi, il y en a encore? Oh là. Ah non, 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 non. Pff, je te fais me pousser dans le vide, espèce d'abruti. Ah, une pousse dans le vide, c'est fini. Hein. Je perds tout mon stuff, on n'en parle plus jamais. Mais non, on ira chercher plus de béton pour faire un chemin pour le récupérer. C'est pas faux. Alors, du câblage. Mais quoi, il y a encore un gros. Oh, mais il y a un très gros là. Oh non, mais non, non, mais non, c'est trop là. C'est trop, madame la comtesse. Ah, c'est trop, madame la comtesse. Bon, bah, je suis mort. C'est vrai? Ouais. Ah, ouais, putain. Voilà. C'est chiant. Ah, il y a un très gros, il m'a touché, il m'a fait. Ah, tu dégages d'ici. Bon, en plus, c'est chiant parce que j'ai ton décathlon sur moi. C'est un peu relou. Ah merde. Bon, bah, du coup, j'y retourne. Ah ouais, mais j'ai pas de béton pour y retourner. On peut pas prendre un peu de béton, venir dépanner un frère. Surtout que j'ai un million. Enfin, j'ai un million de trucs. J'ai pas un million de trucs, mais j'ai pas mal de trucs de recherche sur moi, dont un disque dur. Ah ouais, ok. Top priorité, disque dur. Par contre, je vais me vider les poches. Ouais, je veux bien te croire. Je vais débrancher, je vais utiliser le gros conteneur là qui traîne à côté du broyeur. Ouais, déconnecte-le. Ouais, ouais, ouais. Ou pas, ou pas, hein, si c'est que des ressources remplaçables dont on s'en faisait faire max. Non, là en fait je vais juste littéralement tout stocker mon inventaire. Ah. Et dans mon inventaire, il y a des trucs que je dois pas perdre, comme genre des piles, des rotors ou des trucs comme ça, tu vois. Ok. Garde-toi si juste c'est possible, fais-toi avec la checklist. Une fonderie et un constructeur, un conteneur et je sais pas, 10 plaques pour du MK2. Attends, un fonderie, un constructeur, c'est ça? Un constructeur, ouais. Un conteneur. L'assembleuse ou pas? Non, 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 juste ça. En fait, c'est pour parce que j'ai branché la mine de catérium et j'ai juste oublié de faire un constructeur, enfin pour pouvoir faire les lingots et les fils actifs et tout mettre dans un conteneur histoire que déjà bah on ait ça qui tourne et que ça se remplisse tranquillement quoi.
vu que c'est sur chemin. Ok, voilà. Du coup j'ai des câbles un, sur moi, j'ai un de la conteneur, bobine. Ouais, c'est ça, deux câbles, parce que normalement deux câbles et de quoi faire un poteau quoi. Ouais, bah j'ai ce qu'il faut. Normalement, deux câbles, je un portal. Je peux faire un poteau. Quoi, mais t'aimes les noix aussi toi? Alors attends, si t'aimes les noix, mec. Peut-être moyen de s'arranger, tiens. Tiens une noix, ma gueule. T'aimes ça les noix? Pas ouf la noix. On a vu mieux quoi. Putain, le producteur de béton, il est HS. Il faut du béton hein, par contre aussi. Et parce que là où je suis tombé, il va falloir bétonner un peu. Ouais, mais là le producteur de béton, il est HS, mec. Hein. Comment ça? Tu y produis plus hein. Bah c'est parce qu'il est plein. Maintenant il produit. Voilà. Ah bah si t'en es là, fais un deuxième conteneur par dessus, fais un MK1 dessus et il va aller se vider ensuite du dessus, poste. Tu fais un petit ascenseur, ouais, MK1, ouais, tac tac tac, tu commences une pile quoi, discute. Ouais, ouais, en plus je suis à la noix, je peux me friter contre rien, au secours. J'arrive, où est-ce que t'es? Tu vises la Caterium pure, c'est où je t'attends. Attention, il y a deux cochons sauvages sur la route. Bon, normalement, ça devrait pas trop te poser de problème, mais potentiellement, il y a deux cochons sur la route. Ouais. Il y a deux porcs. Ah ouais, mais attends, mais là, je crois que je suis en train de passer par la pampa des Nyan 4. Ouais, mais normalement, il y a plus de Nyan 4 là. Enfin, normalement, je les ai nettoyés, donc non, t'es peinard. Normalement. Parce qu'en fait, le plus creepy, c'est pas. C'est genre, c'est les bruits de l'araignée et ses déplacements complètement furtifs ninja qui me saoulent. Et quand c'est un Nyan 4, tu vois la tête du Nyan 4 dépasser des buissons ou derrière toi, les cacher. Oui, c'est le mode de la triche, on avait expérimenté ça la dernière fois. Ouais, c'est glorieux. Vas-y, je suis là. Bah, je suis au top. Je suis au top, ma main. Ah, je crois que c'est là. Ouais, bah monte l'escar. Je suis vraiment au gisement. Ah ouais, bah voilà, tiens. Voilà, je suis là, je suis au gisement. Tu me filerais pas un peu de bétonnage, s'il te plaît? Non. Non. Merci. Non. 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 Stop. Parce qu'en fait, attends, excuse-moi, je t'en rends un peu. Je t'en rends un peu parce qu'en fait, j'ai un inventaire aussi à récupérer. Voilà. Ouais. Non mais t'inquiète, vas-y. Bah je te remercie. Par contre, je pense que je vais laisser la production de rotor à la maison. Hein. Parce que 3 rotors pour toi, hein. Du cuivre... Fais attention, je suis en train de démonter des trucs. Pardon. Non, c'est pour toi, que te casse pas la gueule à travers. 3 rotors pour 6 de cuivre et un peu de métal. En vrai, je me dis que c'est vachement rentable et que c'est même plus rentable de laisser la production là-bas et de trimballer les rotors de l'autre côté, ou inversement, de ramener les plaques de l'autre côté, que de faire un rotor pour 25 vis et des tiges. Attends, j'ai pas tout suivi. En gros, à la maison, on a un tout petit gisement de cuivre sur la B1. Ouais. Et là-bas, on peut produire 3 rotors moins chers que... Alors, si on produit 3 rotors à la B2 pour un qu'on fait à la base principale. Ah non, mais mec, attends, en fait, tu t'es tiré, mais j'ai besoin de toi là. Tu as? Ouais, bah. Est-ce que tu veux bien poser un constructeur, enfin raccorder cette machine en fait? Ouais, bah. Vas-y. Faut que tu lui mettes une fonderie et une fonderie et un constructeur, voilà, pas plus. Genre comme ça? Ouais, on s'en fout, voilà, c'est ça, faut. Histoire que ça nous sorte des trucs et puis tu nous branches ça dans un conteneur qu'on puisse récupérer. Voilà. Ça marche. Essaie de nous le ramener plutôt vers le chemin, le conteneur. Je regarde, hop, je te pose des bundles là, vas-y. Sur le chemin? Ouais, sur la colonne que je viens de te faire là. Au sommet de la colonne, si tu peux nous poser ça, ce serait parfait. Après, tu me dis si tu veux que je te rehausse toutes tes machines en te faisant un sol en béton. Oh non, je m'en bats les couilles. Hein. Quel sauvage. En MK2, tout branché en MK2 ou en MK1? Non, MK1, enfin ce qui t'arrange toi, mais je pense que MK1 c'est largement suffisant puisque on s'en fout, il sera plein très très vite.
conteneur. Ah, il est là. Bon, on s'en fout, la gueule. Oh ça. Non, alors t'abuses là quand même. Hein. Là quand même, t'abuses. Hein. Là t'abuses, franchement, vas-y, fais le moi propre un peu vite fait là. Attends, deux secondes. Ça va me faire chier de démonter ça juste pour le démonter. Attends. Non, mais arrête d'alimenter, espèce de salaud. Mais j'ai pas réglé sur quoi c'était branché. Donc, dans tous les cas, ça produit pas. C'est juste qu'il faut que, dans tous les cas, que je sois en haut pour le faire. Le gars qui n'enlève plus. Non, mais tu peux le mettre toi à tes pieds directement, tu vas voir, tordu dans ce sens là, il va le faire. Ah non, il veut pas. Attends, non, attends. Trop... Attends. Est-ce que ça t'aide? Non, c'est trop pentu en fait. Attends, alors, là attends. Je peux poser. Là, c'est comme ça. C'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Voilà, et là au moins, tu vois, on a l'impression d'avoir apporté un petit peu de civilisation à toute cette grisaille. On a apporté des couleurs de la civilisation, non? Du noir, du rouge et du gris. C'est moi ou il y a un truc qui reste bloqué ici de Catarium? Ah, c'est toi. Moi, ça roule pour moi. Genre, y a pas un endroit où ici ça s'arrête? Non, ça roule pour moi. Ok, d'accord, donc c'est pas grave. Simple bug d'affichage graphique. Je pense au calme. Comme frère. Ok, bon, c'est bien, ça tourne. Ça tourne, ça se remplit. Putain, ça se remplit tellement vite. Ça se remplit tellement vite. Hein. Si jamais tu veux remettre une couche par-dessus, hein, tu peux. Hein. Ça se remplit très très vite. C'est extrêmement violent la vitesse à laquelle ça se remplit. Du coup, bah moi je suis en mission pour le Seigneur. Hein. C'est parti. Oh ma misère, quoi. Comment ça, la misère? Va falloir que j'aille tout seul aller récupérer un truc en béton masse qui est pas loin d'un truc toxique. Non, mais je vais venir seul. C'est un peu sport, hein. C'est un peu sportivement chiant, quoi. Voilà, je trouve ça plus esthétique. Ouais, mais non. Alors attends, plus un truc comme ça, du coup. Mais non. Voilà, plus un truc comme ça, plus esthétique. Et là par contre, c'est un petit carrefour un peu large. Voilà. Est-ce que oui? Est-ce qu'on peut abuser du jeu? Non, on peut pas abuser du jeu. Ça dépend pourquoi. Le jeu ne se laisse pas abuser pour ça. Il va falloir que je retourne en plus retabasser l'autre con, au secours. Eh, je sais pas ce qu'il faut hein, pour débloquer l'épave en question là que j'ai trouvé, mais... combien 3 ou 4 cochons? 3 ou 4 cochons plus un cochon boss, tous entourés de plantes qui te vomit du poison en boucle. Parce qu'il n'existe pas un endroit où t'es pas dans une zone de détection des plantes. Je sais pas ce qu'il y a dedans, hein, mais il y a intérêt d'y avoir 12 disques durs. Il n'y en aura pas. Hein. Ça, j'arrive. Je vais ouvrir le truc, il va me dire tiens, prends du fer brut. Je vais péter un plomb. Tiens, prends ta tige de fer. La tige de fer. Ah non, mais tu rigoles, il y en a un, je l'ai ouvert, il y avait que des ressources brutes dedans. Je sais plus c'était quoi. C'est genre nul. Genre t'es dégoûté. Oh, ok, c'est parti. Ah, j'avais une limace là-bas. Comment ça, elle a repop cette limace? Je l'avais piqué cette limace dans la forêt. Mais j'ai l'impression que les limaces ça respawn en fait. Ouais, mais normalement c'est qu'au mise à jour qu'elle repop. Bah, plus maintenant. Ah, bah, c'est trop bien. Est-ce que c'est pas mes limaces à moi aussi? Comment ça? Que tu vois. Est-ce que quand un joueur rejoint en fait, genre ça génère pas de nouveaux trucs? Au cas où tu voudrais faire deux bases différentes par exemple. Ouais, je pense pas. Hein. Mais alors là, du coup, c'est trop tentant, elle est jaune, je suis obligé d'y aller. J'espère que je vais pas mourir, parce que sinon je vais mal le vivre. Ça c'est du quartz, ah, faut que j'aille le chercher aussi. Y'a quoi? Y'a des cochons? Et les cochons vous me voient pas, les cochons vous ne me voyez pas. Je suis chat perché, chat perché les mecs. Tu sais que de là où y'a générateur à charbon, y'a 3 gisements de pétrole. Ah bon? Ouais, à 1000 mètres. Sinon au secours, au secours, au secours. T'es où?
J'ai pas d'armes là où je suis. Bah tu regardes sur ton radar, connard. J'ai pas d'armes. J'arrive, mais je... Au secours. Par rapport à la centrale à charbon. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours, Jeanne. Non, chat. Ah. Faut fâcher le cochon, hein. Laisse-moi tranquille. Salaud. Jeanne, au secours. J'arrive, En plus, je peux pas m'empêcher de résister de miner, quoi. Mec, je vais tomber. Vite. Il me reste plus beaucoup de temps à vivre. Ah, je te vois. Oh, yeah, je suis mort. Couvre-moi, couvre-moi. C'est bon, j'ai un arbre. C'est bon, je cours. C'est bon, il m'a lâché. Oh, j'ai gagné une limace verte. Oh, mais il y a une limace là-bas aussi. Alors, ça, ça se récupère. Hein. Ah. Je connais ce bruit. Ah oui, je connais très bien ce bruit. Ah oui. Monte vite. Oui, monte moi vite. Aussi. Ah, elle m'a vu. C'est moi qui ai venu niquer. C'est laquelle? C'est la grosse. Oh bah cours. Construis un mur. Construis un mur. Ce que je suis en train de faire. Bloque-moi. Je peux pas perdre mon stuff. Enfin je peux pas mourir là mec, sinon on est dans la merde. Ouais vas-y vas-y attends. J'ai l'agro ailleurs. Ouais si elle passe là j'ai le seum. Hein. Elle est où? Je sais pas mais je l'entends j'entends faire des fff autour de moi là. Ouais t'inquiète, je l'ai. Merde, oh merde. On s'appelle hein, moi je me casse à la maison. Yes. N'hésite pas Réjeune. T'inquiète, je mange des noix. Alors attends, sinon je l'encule. Elle est où? Ah elle m'a lâché, je sais pas où elle est. Bah, elle est toujours sur le pont. Elle cherche à me faire le boule. T'es sûr de toi? Ah bah moi je l'entends à côté de moi. Je l'ai fait tomber je crois. Ah non elle est en bas. Elle est en bas de la falaise. Ah oui elle est en bas de l'esca. Pas bon, de la falaise hein, de bon. L'esca. Ouais 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 c'est bon, je l'ai bloqué. Elle galère à te trouver mais voilà. Non non mais regarde, elle peut plus passer. Comment ça? Tu l'as bloqué comment? Bah j'ai juste posé un plat sur l'escalier, ce qui fait que si elle va sur l'escalier, bah elle est bloquée par le plat. En fait. Regarde. Ah oui, ok. Oui c'est ce que je voulais faire mais ça voulait pas me le faire ce que j'avais envie. Ouais. Bah c'est juste cela pour pas me faire détecter par la plante. J'ai l'impression de faire des escroqueries à la Minecraft là en fait. Elle s'active. Attention. Gaz. Ok c'est bon j'ai. Bien joué. Recule. Parce que je vais tout démonter. Ok. Je l'entends plus par contre faire miaou miaou. Ah si je l'entends là. Parce que les... Ah elle se fait attaquer par quelque chose. Recule encore, viens vers moi. Oh pardon. Je vais monter, démonter le mur. J'ai break le wall. Tac 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 tac. Il a juste la plateforme qui est au-dessus. Hein. C'est laquelle? C'est celle-là là? C'est celle-là ouais. Ouais celle-là tu touches pas. Hein. Et je touche pas. Ok on est bon. C'est celle-là la grosse là qui est en bas? Elle est tombée! Je l'entends encore. Je l'entends encore mec. Hein. Regarde elle est tout en bas! Tout en bas, tout en bas. Dans la vallée? Ouais, je l'entends presque plus. Ouais, alors méfie-toi parce que par contre, autant elle a pas se fait de gâcher, autant le jeu a enregistré qu'elle a prévu de te traquer le cul jusqu'au bout de l'univers. Hein, maintenant. Ah ouais? Ah ouais, maintenant en fait, t'es bon pour faire le paranoïaque, c'est-à-dire que même quand tu réfléchis à un truc, que tu craftes un machin, tu te mets en hauteur. Tu joues à chat perché. T'escalades en haut d'une. Ah ouais, moi c'est ce que je fais parce que des fois. Des fois par exemple, quand elle repop dans les games. Elle se rappelle que je l'ai enculée dans une grotte à 3000 mètres, à 3500 mètres, et elle vient m'enculer dès qu'elle a le temps. Alors, ma caisse est plus ou moins par là.
Et où? Allez, en bas, allez là, 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 ici, devant moi. Ah putain, elle est juste là. Oh la chance, quoi. Alors, attends, par contre, du coup, il y a des trucs, faut que je compile certaines choses. Ça, c'est. Est-ce que tu veux que je fasse des trucs? J'ai encore de la place sinon. Bah, il y a ton décathlon à prendre dedans, dans ma caisse. Vas-y. Après le reste, il faut juste que j'équipe pour libérer la place. Hop. Voilà, ça va être rapide. Juste à équiper. Oh, oh oui. Oh, c'est tellement bien. Ça veut dire que maintenant on va pouvoir la fuir en courant. Tout le temps, ouais. Ouais. Par contre, il y a une chose que je peux faire, mon ami. Foreuse. Hop. Boum. Et voilà. Ça, c'est mon plaisir, monsieur. Tu veux la brancher? Alors, on va peut-être pas la brancher tout de suite, ou il y a un boss à faire là-haut. Ouais, vas-y. Hein. Ah alors, oui, par contre, maintenant, au décathlon, tu cours plus vite qu'elle maintenant. Par contre, ça, c'est bien. Donc là, tu vois, on est sur des feuilles tout le temps énervées. C'est pas un gros, ça? Non, ça, c'est pas un gros. Le gros, il campe à côté du vaisseau. Ça va être le quatrième que j'ai pas bolos. Ok, aïe, aïe, ça, ça picote. Attention, il y en a un qui vient. C'est le gros. Il t'a tué. Non, je vais survivre. Ah merde. T'es mort, hein? Ouais. En fait, j'ai voulu toucher la montagne pour glisser dessus, sauf que ma poupée. Ah non, non, non! Oh le bâtard! Oh le bâtard, lui! Oh, oh le jeu qui rame! Oh le jeu qui rame! Tu vas te calmer, le jeu, tu rames pas là! C'est pas le moment! Non, c'était parce que j'ai respawn. Mais crève! Putain, c'est bon, je suis. Ah oh, c'est bon, j'ai eu cette vieille charogne. Merci, ton sacrifice a été utile. Regarde, ma caisse doit être en contrebas sur un tout petit rebord. Alors, pour l'instant, je suis au machin là. En train de mourir. Je vais l'ouvrir quand même. Ah! Mais putain, arrête de ramer, jeu de con! Secours! Oh, ça surrame. C'est parce qu'on doit être trop loin l'un de l'autre là, ou j'en sais rien. Ou alors, très probablement, parce qu'ils ont posé le vaisseau entre deux chunks, j'ai envie de dire, donc entre deux zones de chargement. Ouais, alors, ça m'a pris que quelques cristaux, j'ai pu l'ouvrir. Quelques cristaux de quartz. Et c'est la régalade, monsieur. Attends, j'en ai fait une plus à l'intérieur. C'est un disque dur ? C'est un disque dur, ouais. Ok. Oh, des plaques! Des plaques MK2. Non, non, non. Y'a quoi d'autre? Y'a quoi d'autre? Y'a autre chose? Vas-y, y'a pas que ça en ressources rares. Ah! Yes. Par contre, est-ce que. C'est pas ça suffisant. Mais suce-toi. Oh, j'ai pas la place. J'arrive. J'ai pas la place. Qu'est-ce que je peux faire à la place? J'avais dit que je pouvais jeter un truc tout à l'heure. J'avais vu c'est quoi. Ah, bah je vais du cuivre brut. Sinon, sans rien jeter, je pense que là, vu que je suis bien posé, on peut se caler un petit établi, voilà. On peut transformer de la ressource, voilà, hein. C'est tout, je pense. Alors, espace insuffisant. Alors, attends, bouge pas, je me fais une place vite teuf. Voilà. On va se faire quelques bobinasses de cuivrasse, parce que je vois qu'on a peu de place. On va se faire ça, puis au pire, on va faire quelques câbles. Et tout ça va bien s'empiler tranquillement. Oh, putain, la frayeur! Eh, laisse pas serein cette araignée, hein. Toi tu la vois pas, hein, mais Oh, puis elle fait des bruits à des kilomètres. Ce que j'aime pas, c'est quand elle est dans la forêt, elle fait des bruits juste de forêt comme n'importe quel animal. Et c'est chiant. Ah oui, elle fait juste les bruits de forêt normale. Tu sais, bruits de feuilles. Et d'un seul coup, t'entends les déglutitions dégueulasses. Voilà. Et tu l'as sur les côtes. Et je sais pas si elle t'a touché, mais elle fait des bons dégâts quand elle est pas buggée. À ma midlife, mais comme en fait je courais et que je sautais partout à la Fortnite, elle tapait dans le vide la plupart du temps. D'accord. Ce qui fait que j'ai juste pu courir comme un gros mongolo. Ouais, par contre on devrait faire des étages de check-up parce que là je suis en train de revenir et je t'avoue que je suis pas serein non plus. Hein. Ah, t'as vu? Après t'as pas besoin de revenir, hein. je suis safe pour l'instant. Ah ouais, faut que je récupère mon stuff. Ah bah oui, faut que tu récupères ton stuff. Pas encore que je m'en bats les couilles en vrai, c'est que du béton, quelques câbles, quelques plaques renforcées. On prend tout. Y'a rien de bien extraordinaire, mais y'a les décathlons. On prend tout. Bon à la limite je peux te le recraft, hein, le décathlon, si vraiment y'a que ça. Hein. Bon, ouais, y'a vraiment que ça, et peut-être qu'il faudrait qu'on se mette à faire des vrais joysticks de combat.
Est-ce qu'il y a passe les portes de l'usine? Les grandes, ouais. Les petites, je crois pas. Normalement, non. Ah oui, c'était ça. Et l'astuce, c'était... Ah, mais j'ai des couleurs, là. Merde. Oh bah, j'en ai moins. Voilà. Hop, ça s'est récupéré. Ça s'est récupéré. Et ça, c'est des crafts. C'est bon. J'ai tout pillé dans cette navette de con. Reste plus qu'à revenir au QG. Plus ou moins. Oh. Mais. Béton, je suis comment là? 77. Après, c'est de l'excédent et c'est perdu. Bon, à la limite, je peux laisser ça comme ça. Ah oui, mais toi, tu vas avoir besoin de béton. J'ai entendu un truc qui me plaisait pas. T'as entendu la grosse? T'as remis la plaque? Allô, secours. Tu vois que t'as remis ta plaque? J'entends les bruits dégueulasses de l'araignée alors que j'ai le mode anti-araignée. T'aimes pas ça? Ah! Ah, t'aimes pas ça, hein? Avoue que t'aimes pas ça, Jack? Elle est où? Mais bordel la queue, elle est où? Je sais pas où elle est. J'ai remis la plaque, mais je sais pas où elle est. Eh, je l'entends pas. Moi, je l'ai entendu pendant 2 secondes. J'ai entendu les petits bruits de pattes là qui courent et le bruit de quand t'as commencé à traquer. Ah, c'est chiant, moi j'entends le vent dans les branches. Si t'as besoin de béton, t'hésite pas à démonter la passerelle du dessus, hein, parce qu'on y remontera plus jamais. Bah, ça dépend, attends, je vais peut-être réussir à faire du parcours pour aller chercher ma truc. Si je trouve où est-ce qu'elle est, parce qu'elle est touchée. Certes. Mais où est-ce que je me suis fait boop? Tu dis que ma caisse est là, le jeu. Mais genre tout en bas? Ou pas tout en bas? Avec ma fang? Oui. Est-ce que tu peux venir sur le rebord de l'autre? Tu sais, le rebord à côté de là où tu avais ta plaque, ta planche? Et me dire si tu la vois. Ah, je vois une caisse en effet. Enfin, en tout cas, je vois. Je vois le ping d'une caisse. Ah ouais, je la vois, elle est tout en bas à côté du nuage de gaz, quoi. Putain. Oh bah bien sûr. Oh bah elle est irrécupérable. Hein. Non, 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 dis pas ça, parce que j'ai fait un grand escam, moi, après le... Non, non, je t'explique, le nuage de gaz m'a one shot. Ah. C'est les cailloux de gaz, là. Elle est au milieu. Oui, mais t'es tombé, t'as pris des dégâts, ou... Non, non, j'étais 3 quarts life. Et j'ai glissé de là où il y avait ta caisse et toi, d'un cran, et instant toute ma vie est disparue. De gaz. Ah, tu crois que la grande colonne là est au one shot? A fait super mal. Non, non, c'est impossible, mec, elle te one shot pas. Elle ne te one shot pas. C'est ça, pas grave. C'est certain, elle ne te one shot pas. Non, non, mais je vais te construire un escar. Hein. Je vais te construire un escalier. Non, 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 c'est pas récupérable, ça fait beaucoup trop mal. Non, elle fait dégâts normal. Des dégâts normal? Ouais, ouais, non, non, t'as dû prendre des dégâts de chute, mec. J'ai pas pris de dégâts de chute de là où je suis tombé. C'est un truc dont je suis sûr. J'ai suffisamment exploité le jeu pour savoir. Non, non, mais à mon avis, c'est la connexion qui t'a tué. Ouais, je pense. C'est la coque qui t'a tué. Parce que non, elle fait des dégâts normaux. Par contre, tout de suite, instant, c'est ça, diff, mais. Là, si j'avance là. Zone de poison ou pas encore? Si t'es chaud, t'as un blast, tu peux me choper mes décathlons, c'est tout ce que j'ai besoin. Ouais, elle fait des tics beaucoup plus rapides, par contre. Mais. Ouais, bah. Oh, attends, il y a un disque dur qui a été analysé. J'ai fait E dessus sans faire exprès. Ouais, alors laisse-moi, je suis en train de bosser sur ta caisse là. Ok, ça marche. On va dire ok, ça marche. Dans les bancs. J'ai des recettes alternatives. Attends, va sur ta caisse.
Attends, mais si je fais ça, je peux sortir. Ouais, ok. En plus, toute cette merde pour juste une limace verte qui est collée dessus. Mais vraiment. Mais le problème, c'est que ta caisse elle-même, je vois pas où elle est. Elle est dans les arbres, elle est où en fait? Un peu plus à gauche, tout en bas. Elle est au centre en fait, de la plateforme, quasiment. Ah ouais, j'ai... tu cherches la merde un peu là, hein? Attends. Non mais bon, on va partir encore plus large en fait. Hop. On va vraiment se tirer de la zone avant de revenir dedans. Ça, ça me paraît pas mal. On pourrait descendre encore un peu. Ouais. Mais heureusement que tu m'as filé un milliard de béton. Finalement. Moi et ma consommation de béton. Hein. Vraiment. À fond pour le béton. On se fait des sécurités. Ok. Alors oui, je vois ta caisse. Sauf que dans ta caisse, il y a plein de trucs, on est d'accord. Ouais, mais c'est que du béton, c'est pas des gros trucs de valeur. Oui, mais le problème, c'est que moi, quand je vais arriver dessus, je vais cliquer et ramasse. Point. Ah ouais. Je vais full ramasser de point. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, en tout cas, moi, le chemin est fait, si tu veux, tenter ta chance. J'ai de la bouffe, j'ai de la garic lardon sur moi, si tu veux. Je crois que c'est ce qui rend le plus de PV. J'en ai que 4. Je sais pas si t'es à la base, t'es où, toi? T'es à la base encore? Je suis à la base, ouais. Moi, j'allais repartir construire, du coup. Non, non, mais dans ces cas-là, tu tapes toutes les argaric lardon qu'il y a dans le truc, tu les prends avec toi et puis tu rush vite ta caisse. Je ne crois pas. Non. Ce sera possible. Tu penses que ça pue du cul comme projet? Ah ouais, j'irai la chercher plus tard. Tu fais chier, je vais être obligé de me tenter la vie, quoi. Non, non, vas-y pas, on s'en fout. T'as rien dedans. C'est juste que je vais pas retourner par là-bas parce que j'entends les bruits de l'araignée. Alors attends, je vais faire une sauvegarde et puis si et sauvegarder la partie, je ferai un Alt F4 si besoin est. Rushby. Wow. Oui, effectivement, quand tu t'approches vraiment du gros, ouais, tu commences à prendre des dots de ouf. Mais en vrai, ça se tanque, hein. Ça se tanque. Qu'est-ce que j'ai ramassé? De la merde. J'ai ramassé des lingots de fer. T'es très content, hein. C'est vraiment ce que t'avais besoin. Ouais, terriblement. Je peux pas déposer le disque dur. Fais-moi ça. Hein, ça. Fais-moi ça. Fais-moi. On voit plus le ciel. Si, t'avais quand même beaucoup de choses. Alors, attends, je vais déposer ça. Ça. Ça, ça, la salsa, du démon. Du démon. Ouais, comme quoi les grands esprits se rencontrent ou les grands malades, on sait pas. Peut-être les deux. Ouais, c'est probable. Ok, j'ai fait de la place. Rushby. Oh, oh. Ça va, hein, ça se tente bien, ça se tente bien. Hein. Je crois qu'à quelques noix, ça se fait. Est-ce que j'ai ton décathlon? J'ai pas ton putain de décathlon parce que t'as 830 000 béton sur toi, espèce d'enfoiré. Mais t'en je te hais. Pas, c'est bon. Non mais t'inquiète, l'avantage c'est que j'ai taxé tes noix donc c'est bon. Ah mec, en vrai, je suis en train de tout récupérer, tout ton stuff là en fait. Je vais tout avoir. Hein. Par mec, contre, t'as vraiment fait des caisses. Il y a des ressources extrêmement importantes. Il y avait quoi? Là, il y a aussi ta tronçonneuse dedans. Et ton cogne Xenos aussi. C'est bon, j'ai tout. Mais ça coûte rien. J'ai tout, mec. Merci. Par contre, je suis obligé de t'attendre. C'est pas que j'aime pas, mais là, je suis obligé de t'attendre. Bah, parce que je peux pas transporter deux inventaires tout seul. Et que j'ai posé des rotors, des stators et des trucs électreurs de mon inventaire. Et que. Bah... Puis j'ai ta tasse, mec. J'ai ta tasse, elle a coûté un ticket, mec. J'attends. Je bouge pas. Vas-y, j'y arrive. Je suis fâché, je bouge pas.
Alors du coup, est-ce que je tente l'électrolimace? Comme ça, ça fait deux caisses à récupérer. Hop, 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 hop. Ouais, en vrai, je peux laisser ça. Hein. On reviendra chercher les limaces plus tard. Ouais. Par contre, maintenant, les ressources, ça fait des obstacles, là, par terre. Hein. Ah ouais, tu butes dedans, maintenant? Ouais. Je vais te laisser de la noix. Voilà. On est bien. Je vais empiler ton stuff. Vas-y, j'arrive. Enfin, en partie ton stuff. Où j'ai fait 3 stockages pour le fil actif, c'est très très drôle. Ouais, ils sont déjà pleins. Non, 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 peut-être pas. Peut-être pas encore. Faut attendre un peu. Un peu de patience, voyons. Du coup, j'ai presque envie de te taper tes lingots de fer, parce que je pense que t'en auras pas besoin là où t'es, alors que moi j'ai pas de fer sous la main, donc je te les, je te tape ouais, ton stockage de fer. Prends les plaques renforcées aussi s'il faut. Bah tu vois, ça c'est automatiquement pilé avec tout mon merdier. T'as juste du béton et tout ton stuff à ramasse normalement. On est bon. Vas-y, j'arrive. Donc je t'attends tranquille, tranquillement. En ce temps-là, on va se refaire un café chaud. Par contre, moi je serais presque chaud pour faire des checkpoints sur les. Sur les longues allées où on se balade. Hein. Une porte, une petite porte, comme ça t'es sûr que le truc il passe pas au travers. Pas déconnant en vrai. Petit sas tour de game machin, on a bien vu. Bah si tu veux, ouais, je peux aller bricoler ça. Je vais aller nous bricoler ça. Parce que théoriquement j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Ouais. Pas te mentir que voilà, je suis par, pas contre, serein, par contre que... évite de courir, prends ton temps sur les plateformes parce que ça freeze à fond quoi. À ah fond ouais, les merde. Ballons. Hein. Ah ouais. De ouf ça freeze. What? Ah ouais, ça surfreeze de ouf. L'idée. Ah, c'est ce que j'approche de la centrale à charbon, c'est pour ça. L'idée c'est de faire un plateau ici, quoi. Avec genre une porte. Et parce qu'on aime l'esthétisme, avec des murs. Ah, moi c'est pas l'esthétisme, c'est vraiment juste une porte dans le jeu. Je veux rester en vie. C'est ça que. Juste, si jamais je dois m'enfuir en courant, je veux pouvoir faire une glissade à travers. Voilà. Et à la limite, pour vraiment faire chier la bestiole. Pas exactement, on est d'accord qu'on peut pas la tuer. Hein. Ah, si, 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 complètement. On peut la... elle se bute, hein. Ça se bute comme bestiole. Ouais. Hein. Bah, mais on va galérer un peu sans. Ça se fait, hein. Ça se fait, c'est un peu chiant, mais ça se fait. Ah, ah. Ah, je peux pas faire ce que je veux faire. Ou alors, il faudrait que je lire un mur. Je passe un second carré là. Et que je fasse justement ma rampe passe. Par contre, s'il y a pas à travers les portes, là je suis dead. Là, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire, je me déteste. Qu'est-ce que t'as fait? Un truc moche. Mais c'est rigolo. Chiche kebab qu'à te suivre là-dessus. Oh, j'ai eu un grand lag en avant et je me suis tapé le rebord. Si j'avais pas tapé le rebord, bah je serais mort par-dessus le rebord. Je t'avais dit de pas courir. C'est là qu'elle reste tout en haut et que c'est la panique.
Du coup, t'as posé où tout ça? Sur le chemin qui mène au gaz, là. J'ai fait un chemin qui mène au gaz, j'ai tout laissé là. Ok, ok, je viens de voir. J'ai hâte d'avoir de la dynamique partout. Alors, par contre, très très important, je pense. Ouais. Très important dans cette infrastructure, une grande fenêtre pour se foutre de la gueule de l'araignée. C'est important. Très important. Ouais. On sous-estime trop souvent le pouvoir de la fenêtre. Mais ta mère! Gaz de merde. Super, merci. Moi je propose des solutions, le mec ta mère. Quoi. Super. Mais non, mais je viens de me faire gazer. Ah. Attends, c'est moi ou t'as créé un homme à base des décathlons, de la tronçonneuse et tout? Ouais, un bonhomme bâton, ouais. Ouais, ça fait une sorte de bonhomme bâton. T'es gentil de l'avoir remarqué. T'es rigolo. Mais que ça foutre. Ah ouais, j'avais peut-être un petit peu abusé sur le béton que j'avais pris. Ouais, en sachant que j'ai ramassé tout le béton que je pouvais ramasser. Hein. C'est-à-dire que mon inventaire est plein, là. Si tu veux voir par là. Bon, allez, il me reste plus qu'à Rushby pour aller brancher ça à la base. Et on va pouvoir commencer à sortir, enfin, tout du moins, à avoir un peu de... de soufre qui sort. Du coup. Ah, on voit le désert tout au fond, d'accord, c'est ce que tu me disais. Et ouais, hein, t'as vu, ça, ça porte loin mon histoire. Hein. Du coup, j'aurais peut-être dû faire un téton par là. Alors attends, je vais faire un double téton par là. Un tétonneux juste ici. Un double tétonneux. Maximus. Exactement. Doublus, évidemment. Ah. C'est pas. Bah oui. C'est un doublus. Ah, t'es en train de te faire enculer par un Ian 4? Ah, t'as couru, t'es tombé. Non. T'as couru, t'es tombé. Tu t'es fait punir. Je t'avais dit de pas courir. Pas tes doigts dans la prise électrique. Bzzz. Et tu tournes la tête, t'entends bzzz. Ah super. Ouais, toute la game rame là, hein. je sais pas ce qu'il a fait ramer là, mais il y a même des clics qu'il ne me prend pas. Il y a quand même un petit ramage qui se rapporte au plumage. Hein. Ah. Ok. Est-ce que c'est de ma faute? Non, non, c'est pas de la tienne. Pourquoi ce serait spécifiquement de ta faute? Yes, donc on avait dit la technologie du moment, c'est ça? T'avais checké un peu, qu'est-ce qui t'avait parlé le plus là? Rien de particulier. Et ben moi je serais plutôt team câble fusionné. Parce que pourquoi, en vrai, on va avoir masse lingot, si on veut, on peut avoir masse lingot de Caterium. Et donc sortir 90 bobines par minute, c'est quand même pas mal. Dans une assembleuse. On s'en fout du cuivre. Non. Non, non, c'est un truc qu'on va bouffer toute notre vie. Puisque tu as entre autres des super pièces que tu vas devoir faire qui vont bouffer genre 20 câbles par 20 câbles. Des trucs comme ça. Donc dans le bout, de toute façon, je pense à ce que transformer du bois en charbon, on peut dire qu'on s'en bat les couilles ou pas. Voilà. Et faire 5 lingots de fer en mélangeant du cuivre et du fer, ça va, on a assez de fer ou pas là? Donc dans, pas le sûr, doute, hein. Dans le doute, on va prendre la recette qui nous fait consommer moins de cuivre. C'est là ouais, que c'est ce qu'on a le moins. Par contre ça... C'est le truc qu'on a le moins quoi. Ouais. Par contre j'ai toujours pas de tige de fer et j'ai pas assez de rotor. Alors ça c'est dégueulasse. Par contre je peux faire ça. Oh 2 minutes. C'est parti. Ça, c'est devenu critique. 5 emplacements d'inventaire supplémentaires, on prend. C'est trop la merde. On prend. Je veux pas le savoir. C'est de traîner un truc par terre, ça a disparu. Le jeu qui bug, je crois. Non. Le jeu voilà, t'as les 50 rotors que tu m'avais demandé, et j'ai les vis. Mais tige, non, les vis, non tige, tige, tige. Tige, j'ai pas. Tige. Mais attends, je t'ai piqué tes lingots de fer, donc je vais pouvoir me faire des tiges. Tige. Mais j'en aurais pas assez quand même. Okay. Parce qu'il va en fallait genre 200 et je vais même pas en avoir 100. Pour te donner une idée du truc. Ah ouais. Donc il me faudra des tiges. Bref. Ça nécessitait quoi juste? Mauvais bail, ok, faut que j'arrête de sauter là-dessus moi.
Ah. Alors on fait des tentatives obscures, monsieur. Ah oui, il fallait que je fasse aussi mes dernières poudres à canon. Poudre à canon. Poudre à canon. Et pour ça, il me faut un peu de bon char. Il me faut un peu de bon char. Alors, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver du charbon? Si seulement je savais où trouver du charbon, quoi. Vraiment, nous n'en produisons pas assez. C'est un peu la merde. Il n'y a pas assez de gisements dans ce monde. En sachant qu'à côté de nous, on a deux ou trois normaux, je crois, c'est ça? Trois normaux, si jamais un jour on a une galère de charbon. Si jamais ça arrive qu'on ait une galère non, de charbon. On a deux normaux et un pur. Oh merde! Ah ouais? Carrément? Ouais. Ah ouais, donc nice, ouais. Tranquille quoi. Non, ça vaudrait presque même le coup de les alimenter juste pour ajouter encore sur ce lac encore plus de caisses de charbon, tu vois. Genre ce lac n'est plus qu'une vaste pompe. C'est ça. Tu vois là, comment ça s'appelle? Le construit une plateforme en haut où t'as un tournant, c'est un angle droit qui retourne sur la mine de Caterium. Oui. T'as raté l'angle droit. Je me suis dit. T'as gagné 50 places sur le coup. Merci. Je me suis dit, ce serait quand même une vachement bonne idée. Si je décidais d'aller tout droit pour gagner genre 10 secondes. Et j'ai sauté tout en haut. Et en fait, il n'y avait pas de sol tout en bas. Ouais. Bah si, il y avait du sol, mais j'aurais été vachement plus loin que ce que je pensais. Oscillateur à cristaux débloqué. Oh, c'est bon ça. Poudre à canon. Débloqué. On peut faire toutes les recherches de l'armement. Ah, il faut 100 cartes. Ah, vas-y, c'est l'abus. C'est vrai que c'était l'abus surtout. Presque tout. Non, ouais, le détonateur, mais le détonateur sans le obélisque, on s'en fout en fait. Ouais, c'est à partir de là, il va falloir commencer à passer des tiers. Parce que les. Ouais, là, les. Là, ça commence à être compliqué, ça commence à demander des stuff qu'on n'a plus. C'est ici qu'on fait les scanners d'objets. Qu'est-ce que j'ai pas? Il faut des vis pour ça. C'est intéressant. Ah, mais on a des cognes Xenos. Mais ça race de ses morts. Tiens-moi ça. Mais. Je l'avais dit, hein, qu'on avait des super cognes Xenos. Mais putain. Seulement on maintenant, je vais faire les matraques laser. Bah ouais, mais carrément, ah oui. Attends, c'est quand même un peu mieux pour taper sur du gros, quoi. Ouais, c'est parti, hein. Tac, je vais me refaire une balise quand même. C'est toujours bien d'avoir une balise en robe. D'en avoir 10 en robe. Je suis le genre de mec, je prends des balises partout, hein. C'est une balise, en fait. Oh. Oh, au revoir, YouTube. Au revoir, YouTube. Et bisous.